K-Dub. And Chewie on some hot nigga. Like I told Tish, I see when I shot niggas. Yo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler du service limousine que j'ai pu effectuer. Il y a eu pas mal d'images qui ont été filmées, pas mal de photos qui ont été prises. Vous trouverez donc des photos sur Instagram. Donc ce service m'a été proposé par Service Limousine. Vous trouverez donc le lien vers leur site en description. Donc c'est une équipe vraiment très sérieuse. L'accueil a été vraiment magnifique. Donc franchement, n'hésitez pas à aller les retrouver. Donc ce sera en description. Et donc voici les images par la suite. Bonjour Baptiste, bienvenue. Merci beaucoup. Donc nous nous retrouvons ici à Carpe Diem chez un particulier qui vous propose des services de limousines, de véhicules de prestige. Parlez-nous pardon un petit peu de vos véhicules et des prestations que vous pouvez effectuer. Carpe Diem Limousine est une société qui existe maintenant depuis 20 ans, qui est originaire de la région de Mons, mais qui travaille dans un rayon de 250 km autour de notre base ici à Mons. C'est une société que j'ai constituée avec mon épouse donc au début des années 2000, qui est spécialisée dans la location de longues limousines avec chauffeur. Au sein des différentes limousines, nous avons plusieurs marques évidemment. Donc là, vous avez la plus classique des longues limousines qui s'appelle la Lincoln. Des modèles un peu plus exclusifs comme le Hummer Limousine ou le BMW X6 Limousine qui est unique en Europe. Nous avons aussi quelques voitures de prestige comme Rolls-Royce ou Mercedes. Ce sont toutes des voitures en effet qu'on peut louer pour des événements, surtout anniversaire, mariage, sortie en discothèque, surprise, anniversaire d'enfant, enterrement de vie de célibataire. Tous les événements festifs peuvent faire intervenir un concept limousine pour marquer le coup et mettre en évidence la date. Pour les tarifications, il y a des tarifications qui s'adaptent en fonction de l'événement. Donc on peut déjà louer une limousine en dehors des mariages, on peut déjà louer une limousine par exemple juste pour une heure, faire un baptême en limousine, pour faire une surprise à quelqu'un. À ce moment-là, on dépend de la tarification horaire. Là, on commence la tarification horaire à partir de 225 € pour la première heure et puis on est entre 75 et 100 € par heure supplémentaire. On peut louer également la limousine pour une plus longue période. Par exemple, on a des formules pour les sorties au restaurant où on a la voiture et le chauffeur pendant 5 heures à son service. Et là, ça commence déjà à partir de 400 €. On a des formules pour les sorties en discothèque. On a la voiture et les chauffeurs qui sont entièrement dédiés et privatisés pour toute la nuit, par exemple. De 22 h à 6 h du matin par exemple, et là à ce moment là on est sur une prestation qui va commencer aux alentours des 500 € répartie sur 8 passagers. Ça ne fait que 60 € la personne, donc c'est tout à fait abordable. Ensuite on va partir sur des formules par exemple pour les mariages où là on a des packages avec la décoration complète, donc du tulle sur la plage arrière, des rubans sur les poignées de porte, des fleurs fraîches sur les capots avant. Toujours, dans tous les cas, on a toujours le chauffeur majordome qui va porter le képi, les gants blancs et qui va dérouler le tapis rouge à la sortie de la voiture. Et on a également toujours une formule boisson pour agrémenter le bar, puisque dans les limousines, il y a toujours un bar. Donc il y a soit le champagne, soit des boissons qui font partie du package. Et là, on a déjà des formules mariage à partir de 450 € selon la voiture qu'on choisit. Bon, après, il y a plein d'autres possibilités, mais nous, on essaye essentiellement de travailler à la carte. D'ailleurs, sur notre site, il n'y a pas de tarif affiché. C'est toujours en fonction du programme et du type d'événement, de la région où ça se passe, de la date de l'événement aussi, de la voiture qui a été choisie. Il y a énormément d'éléments qui font que c'est très difficile d'établir une grille tarifaire générale. On est vraiment plutôt sur un concept où on va s'adapter à la demande du client et faire un devis personnalisé. Mais quoi qu'il en soit, ce sera toujours un devis personnalisé qu'on appelle en all-inclusive, sans mauvaise surprise. En fait, une fois que le prix est établi, il est fixe, il est ferme. Moi maintenant, je propose peut-être par exemple montrer déjà les véhicules qui sont présentés devant nous. Donc on va commencer, on va y aller crescendo. On va commencer par les modèles les plus classiques, les plus standards. On a la Lincoln limousine. Je veux dire la limousine classique par excellence. C'est la voiture qu'on voit dans tous les films américains. C'est vraiment la limousine standard. On leur donne des petits noms. Donc celle-ci par exemple, c'est notre modèle Princess. On va voir un petit peu comment ça se passe à l'intérieur. On va rentrer dans un habitacle qui va être relativement classique, où vous allez à chaque fois retrouver de toute façon le concept limousine qui est assez standard dans toutes les voitures, mais avec à chaque fois une note de décoration différente. Vous avez chaque fois dans une limousine ce qu'on appelle le siège en J qui est en face du bar. Vous avez la banquette principale sur laquelle je me trouve. Vous avez en fait à chaque fois, soit au-dessus de la tête, ici c'est le cas, ou sur le côté dans une limousine, un tableau de commande qui va vous permettre de gérer tous les accessoires de l'habitacle arrière. C'est notamment avec ce panneau de commande qu'on va pouvoir ouvrir et fermer la séparation avec le chauffeur. C'est avec ce panneau de commande
qu'on va pouvoir également gérer les différents éclairages de la voiture, les petites fibres optiques, les LED du plafond, les éclairages du bar. C'est aussi ici qu'on va pouvoir simplement en appuyant sur un bouton communiquer avec le chauffeur avec un système sans fil intégré. C'est ici également qu'on va gérer tout ce qui est soufflerie d'air chaud ou d'air froid. Et vous avez bien entendu toujours un radio CD DVD qui vous permet de diffuser votre propre musique. Dans certains modèles, vous avez la possibilité aussi de mettre de la musique dans les enceintes et une image différente sur les écrans, parce que dans certains modèles, vous avez double source. Tous les modèles sont équipés avec stick USB, possibilité de venir avec des iPhones ou en Bluetooth dans certains cas. Donc comme ça, le client a la possibilité de vraiment mettre la musique qu'il aime au sein de la voiture. Alors vous avez chaque fois en face de la banquette latérale, vous avez donc le bar, comme je vous l'expliquais tout à l'heure. Ce bar est composé bien sûr d'une verrerie. La verrerie se comporte de flûte à champagne, de verre à eau ou alcool, d'un seau à champagne et de différents box à glaçons qui nous permettent aussi de pouvoir réfrigérer les bouteilles lors d'une mission dans des périodes plus estivales où les températures sont plus élevées. Donc ici, on est sur un intérieur relativement classique. On est sur la Lincoln Limousine, donc le modèle le plus courant, le plus standard. C'est aussi le moins cher. Au niveau des limousines, la tarification va évoluer en fonction de la rareté des modèles. Donc ici, on va sur ce qu'on appelle la Chrysler 300C Limousine. C'est devenu un standard aussi. On l'a un peu modifié en lui mettant une face avant de Bentley et un logo Bentley à l'arrière. C'est une Chrysler 300C, mais on l'appelle tous Baby Bentley. C'est une voiture qui est blanche. On a la même taupe blanc nacré vanillé. On en a plusieurs. Celle-ci, seul le modèle blanc, porte le nom de Tiffany. Le modèle couleur crème porte le nom de Crystal. On est sur un intérieur relativement classique, comme la Lincoln. On reste sur le même concept avec la fameuse banquette en J, le bar qui était à barre suspendu dans ce cas-ci, le panneau de commande qui nous permettent de gérer tout ce qui est accessoire de l'habitacle arrière de la voiture. Après, chaque modèle a un intérieur différent. Il y a des intérieurs qui sont plus classiques, il y a des intérieurs qui sont plus design. C'est ce qui fait leur différence aussi. Parfois, on a la même forme extérieure, mais on a des finitions intérieures qui sont un peu différentes. On a vu la Lincoln et la Chrysler. Il y a un autre modèle qui n'est pas visible aujourd'hui, qui malheureusement est sur la route, qui est la Dodge Limousine, qui est un modèle un peu plus sportif, qui existe aussi. Et ces trois modèles, Lincoln, Chrysler et Dodge, remplissent la catégorie de ce qu'on appelle les limousines classiques et standard, c'est-à-dire les limousines, je vais dire, taille basse. Après, on rentre sur la catégorie des limousines 4x4. Dans la catégorie des limousines 4x4, on va commencer par le Hummer Limousine. Le Hummer Limousine, c'est vraiment devenu un mythe. Toutes les générations en raffolent, plus particulièrement les plus jeunes. Une voiture qui est très impressionnante, qui est très américaine, qui est très massive, très bien équipée pour les sorties plus festives. On en a deux. On a celui que je vous présente ici qui s'appelle Aladdin. Il a un petit frère qui s'appelle Atlantis. Ce sont les deux mêmes voitures à quelques détails près. C'est surtout au niveau de la configuration intérieure, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, que ça change. Celui-ci a une particularité, c'est qu'il a une porte spécialement conçue pour les mariages. Donc il a été rallongé de 60 cm par rapport à la normale pour faciliter l'accès au véhicule quand on a une grande robe. Alors quand on rentre dans un Hummer, on est déjà sur une atmosphère un peu différente. Il faut utiliser le marchepied pour s'y rendre. Et on va avoir la banquette habituelle qui est présente. Donc vous voyez que vous avez des faisceaux laser multipoints, vous voyez que vous avez un plancher lumineux. Vous avez des petites fibres optiques scintillantes dans les plafonds. Le bar qui peut aussi être un bar rétroéclairé. Vous avez radio CD, DVD, private climatisation individuelle bien sûr à l'arrière. On a toujours trois écrans de contrôle au minimum. Et vous retrouvez le concept du bar sur plusieurs niveaux avec les flûtes à champagne, les verres à eau ou alcool, les seaux à champagne et les box à glaçons. Donc on est sur un habitacle plus spacieux et un habitacle qui peut être très classique dans le cadre d'un mariage, mais qui, parce que tout peut s'allumer et s'éteindre, mais qui peut être une véritable petite discothèque sur roue dans le cadre d'une sortie de nuit. Donc c'est ça l'avantage d'une limousine aussi, c'est qu'on peut créer une atmosphère plus lounge pour une sortie plus tranquille ou une sortie en amoureux. Et on peut, rien qu'en appuyant sur quelques boutons, arriver sur de l'ambiance vraiment très festive, avec plein de lasers, avec de la grosse amplification. C'est un modèle qui est parfaitement polyvalent selon les événements. Vous savez, après le Hummer Limousine, nous avons la chance de posséder également ce qu'on appelle un Audi Q7, donc le gros 4x4 de chez Audi en version limousine de 10 mètres. Cette voiture n'est pas présente aujourd'hui, elle est à l'entretien pour l'instant. C'est une voiture qui est très rare puisque c'est une voiture qu'on a fait construire sur mesure aux États-Unis et donc c'est une voiture qui est exclusive en Belgique en fait. Donc c'est la finition de la voiture à l'intérieur va se rapprocher très fort de la finition d'un Hummer avec pas mal d'éclairage festif, mais la forme extérieure est évidemment très rare
on n'en croise pas régulièrement. Ensuite, on va arriver au fleuron de la flotte de longues limousines que nous proposons. J'en profite pour préciser que ce qu'on vous montre ici, ce sont une partie des véhicules, puisqu'on a plusieurs exemplaires, on a une dizaine de longues limousines au total. C'est le BMW X6 Limousine, qui est une voiture qu'on a fait construire sur mesure également. Là, on est sur quelque chose de très très exclusif, puisque là, on est vraiment sur un modèle unique en Europe. Il y en a trois dans le monde, seulement un à New York, un à Las Vegas et un chez nous. Donc c'est quelque chose de très très rare. On n'a pas l'habitude d'en croiser, évidemment, puisque c'est un modèle qui est unique en Europe. On va découvrir là l'univers des 4x4 limousines, qui est plus un univers festif. On retrouve toujours le même concept avec le bar sur plusieurs niveaux. Vous avez le tableau de commande qui se trouve ici, qui vous permet de gérer tous les éclairages du bar, qui vous permet de gérer les lumières qui sont dans le plafond. Ça vous permet également de gérer l'ouverture et la fermeture comme dans toutes les limousines, de la séparation avec le chauffeur. Vous avez des petites fibres optiques, vous avez des serpentins lumineux, vous avez des petites étoiles scintillantes. Vous avez aussi dans celle-ci une particularité, c'est qu'on a un deuxième petit bar qui se trouve sur la gauche dans le fond. Donc il y a un bar principal qui est ici, un deuxième petit bar qui se trouve sur la gauche dans le fond. Donc vous avez des faisceaux multipoints, des petits stroboscopes qui s'allument également, le faisceau multipoint. Vous avez également dans les 4x4 des systèmes son qui sont très très poussés, avec jusqu'à 2000 watts de son, avec une quadrophonie parfaite. Donc ça c'est évidemment génial pour faire la fête avec des copains. Vous avez à chaque fois dans les limousines aussi plusieurs écrans qui vous permettent de visionner des clips pour, éventuellement, ou des images ou des photos souvenirs, ça arrive aussi. Dans le Q7 limousine et le X6 limousine, vous avez également un bandeau défilant où on peut mettre un petit message personnalisé qui tourne en boucle pendant la durée de location. Donc par exemple, vous pouvez mettre Happy Birthday, vous pouvez mettre Je t'aime ma chérie si vous voulez, et ça c'est un petit plus également. Donc ça c'est la concept limousine plutôt sortie nocturne. On va se rendre sur un autre secteur que nous pratiquons également, la location de voitures de prestige. On va commencer par le top du top de la voiture de grand luxe, qui est la Rolls-Royce. C'est une voiture d'exception, hein. C'est une des voitures les plus luxueuses du monde. Pour vous donner une idée, la valeur neuve de cette voiture avoisine les 500 000 euros. C'est une voiture qui est d'un confort inégalable, avec la mythique calandre Rolls avec la Flying Lady. On est vraiment sur un concept salon roulant. Je vais m'y installer, vous allez voir, on est vraiment sur un concept salon roulant. C'est une configuration VIP avec à l'arrière deux sièges individuels avec une colonne centrale qui vous permet de gérer un tas d'accessoires. Rien que ça, chez Rolls, c'est une option à 45 000 euros. Donc c'est vraiment une voiture exceptionnelle. Donc Rolls-Royce, comme son nom l'indique, le must de la voiture de prestige. Modèle Phantom, très massive, très confortable, très spacieuse. Une voiture extraordinaire pour un mariage, par exemple. On est sur un modèle avec des portes antagonistes. Rolls a pensé à tout. Petit détail de la marque, nous sommes en Belgique et donc le parapluie est de mise. Parapluie Rolls-Royce qui est directement intégré à la portière passager arrière. Ensuite, on a une gamme de voitures un peu plus sportive qui va être dans des budgets beaucoup plus raisonnables que le budget, par exemple, qu'on allouerait à une allocation d'une Rolls-Royce. La nouvelle Mercedes CLS, qui est un modèle très récent, hein, 2019. Une voiture de 400 chevaux avec une ligne AMG sur à la fois classe et sportive, qui est une vraie 4 portes, 4 places, malgré le fait que ça soit une voiture à tendance sportive, ce qui est très rare dans le milieu des voitures sportives. Nous avons également, dans le même esprit que la Mercedes CLS, une Mercedes Cabriolet blanche aussi. Si on est sur un intérieur de grande finition, full option, chocolat, et c'est une voiture qui est très agréable aussi pour une cérémonie de mariage, d'autant plus qu'elle a une peinture spéciale qui est blanc pailleté comme ça, donc au soleil avec une belle robe de mariée, on sait faire des très beaux clichés aussi. Donc au niveau des modèles, vous avez vu qu'on propose vraiment de tout et pour toutes les bourses. Donc tous ces véhicules sont disponibles à la location avec chauffeur uniquement pour tout type d'événement d'entreprise ou tout type d'événement privé. Dans la région de Mons ou dans un rayon de 100 km autour de la base à Mons, on va tourner, donc si on prend les différents modèles que je vous ai proposés, si on prend par exemple, commençons par les berlines, la Mercedes CLS, c'est une voiture qui va coûter 450 euros. La Rolls-Royce Phantom est une voiture qui va coûter 890 euros. Si on part sous les longues limousines, on va travailler sur la Lincoln Limousine à partir de 560. On va travailler sur la Chrysler Limousine ou la Dodge Limousine à 590. Le Hummer Limousine va être à 660. L'Audi Q7 Limousine unique en Belgique va être à 760. Et le BMW X6 Limousine unique en Europe va être à 890. Donc on est sur une tranche de prix
prix qui va de 450 à 890 selon le véhicule choisi. C'est une formule qui va comprendre 3 ou 4 heures de prestation du véhicule sur place chez le client. Donc entre le moment où on arrive au domicile du mari ou de la mariée jusqu'au moment où on est libéré à la salle des fêtes. Ça va comprendre également une décoration complète, c'est-à-dire tulle sur plage arrière, ruban sur poignée de porte, des fleurs fraîches sur le capot avant que nous allons fournir nous-mêmes sous forme d'une ventouse et que nous allons personnaliser au ton de la décoration du mariage. Donc tulle, ruban, fleurs, chauffeur, majordome qui porte le képi, les gants blancs et qui déroule le petit tapis rouge à la sortie de la voiture pour les photos. Ça fait partie du service. Et toujours une formule boisson aussi, soit du champagne, soit des boissons sans alcool. Les taxes, les assurances et tous les déplacements, tout est inclus dans le paquet. Donc on est vraiment sur des formules tout compris sans mauvaise surprise en fait. Donc ça c'est dans le cadre des mariages. Maintenant pour vous donner une idée, en dehors des mariages, comme je vous le disais tout à l'heure, on peut déjà louer une limousine à partir de 225€ la première heure et 75€ supplémentaire. Donc il y a de nombreuses possibilités. Le mariage est un créneau très spécifique qui est un créneau un peu à part des autres tarifications. Et le véhicule le plus, on va dire, le plus convoité par vos clients? Ben disons qu'il n'y en a pas vraiment dans le sens où les véhicules s'adaptent en fonction de la demande des clients. Il y a des clients qui ne veulent que des voitures de prestige, il y a des clients qui ne veulent que des longues limousines. Il y a des clients qui veulent une longue limousine mais dans les prix plus abordables, donc ceux-là vont se diriger plus vers la Lincoln. Il y a des clients qui veulent la longue limousine mais hyper exclusive et à ce moment-là ils vont plus se diriger vers le X6. Je vais dire tout ça se régularise en fonction des goûts des gens mais aussi en fonction de leur bourse. On va peut-être avoir quelqu'un qui va préférer la Mercedes à la Rolls parce que c'est une voiture qui est un bon rapport qualité-prix et qui ne peuvent pas se permettre d'avoir la Rolls dans le budget mariage. Je dirais que toutes les voitures se louent. Il y a des modèles évidemment mythiques comme le Hummer qui sont évidemment les plus demandés, je dirais. Sur une année globale, toutes les voitures ont le même nombre de sorties. Par rapport au chauffeur, quelles sont les compétences, les motivations que vous cherchez? Il faut déjà que le chauffeur réponde à certains critères au niveau physique. Bon, évidemment, il y a des critères légaux comme des sélections médicales, permis de conduire, dans certains cas de type supérieur au permis B, mais sinon je dirais à partir du moment où il y a de la motivation et de la disponibilité, n'importe qui peut devenir chauffeur de limousine, mais il y a une phase de formation qui se fait quand même avec nous pour apprendre à gérer les engins parce que malgré tout les longues limousines c'est pas du tout facile à manœuvrer, le client est le roi et d'être dans l'esprit d'offrir un maximum de service au client pour faire vivre au client des moments d'évasion et que le client puisse vraiment se mettre dans la peau d'une star hollywoodienne pendant quelques heures pour dire d'échapper à la réalité de tous les jours. C'est d'ailleurs un peu ce que notre nom signifie puisque vous savez Carpe Diem ça veut dire profite de l'instant présent. Ben, c'est un peu ce qu'on essaye d'offrir à nos clients, c'est de pouvoir profiter du moment et s'évader quelques heures à bord d'une jolie voiture. Encore un grand merci. Pas de soucis. Merci Otis, je suis content de vous avoir rencontré. À bientôt.